Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence, et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléa Sim, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Civ 5 pour la série spéciale 200 vidéos qui sont passées maintenant depuis très longtemps, puisqu'on a passé très récemment les 300 vidéos. Et on est donc de retour sur ce jeu-là en présence de Méthylène et de Dielfongière. Bonjour messieurs. Salut. Salut. Donc bon, on s'excuse un petit peu pour l'absence des deux dernières semaines, puisqu'on n'avait pas pu tourner de vidéo, pour raisons personnelles tout simplement, et puis on n'avait pas pu se retrouver, donc bon, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, c'est reparti pour continuer la partie. On s'était laissé la dernière fois, Moctezuma avait encore perdu une ville, et Gao était pas vraiment en pleine forme. En tout cas, son gars était pas très loin de perdre Gao, ça fait quand même plusieurs épisodes qu'on dit ça. J'espère bien y arriver sur cet épisode-là, au pire le second. On peut croiser les doigts. Mais bon, maintenant, c'est parti. J'ai plus d'unité. T'as plus d'unité? J'ai plus rien. Ah bah ouais, déjà dans le dernier épisode, t'avais pris quand même une sacrée raclée sur les attaques. C'était pas top top. Bah, c'était l'assaut kamikaze, quoi. Ah bah ouais, puis surtout qu'en plus, on avait Sidon qui était rentré dans le... Ouais. Dans le conflit, histoire d'aider un peu la chose, quoi. Il y a sinon avec un canon et trois arquebusiers, trois fusillés, et de l'autre côté j'ai Bucarest avec deux fantassins, il me semble. Je sais pas ce que c'est. Non, pas. On est loin de. On est loin de tout ça. Non, mais il y a plein d'ennemis en fait là. Niveau recherche. C'est qu'ils nous ont mis une tolère ou. Non, ils sont un petit peu en avance, mais de 2 ou 3 technologies en fait. C'est pas une avance très très grande, mais c'est surtout Catherine en fait qui nous fait mal. Elle tient vraiment la place et c'est assez pénible. Ça c'est quoi ça? D'accord. Ok. Ah. Et moi j'ai Ragus qui essaye de venir m'attaquer, mais bon, ma ville devrait tenir sans problème. Ragus a décidé que c'était le moment de sortir les armes. De toute façon, la dynamite d'Anditour, si on arrive à avoir la dynamite, on pourra tirer les villes à 3 tours sans qu'elles ripostent, donc on aura juste à avancer l'infanterie. Ça sera plutôt pas mal. Oui, et Katmandou qui en a lié, c'est vrai. La pauvre. Bon, on a Katmandou et Bruxelles, donc... Ouais. Bon, on a Hanoï aussi. Ah oui, t'avais pris Hanoï. Oui, aussi. Ah ouais. Mais Hanoï, c'est plutôt une cité maritime, donc... Mais c'est ma ville. C'est sûr. C'est ma ville. C'est à moi. Et tout le reste, c'est à Catherine. Quasiment, ouais. Si on regarde un petit peu, portail diplomatique... Ouais, non mais oui, je crois qu'il y a que ça. Enfin, en tout cas, c'est... Non, c'est peut-être plutôt dans conditions de victoire qu'on pourra avoir un petit peu... Information... Catherine a 5 cités-états, son gars, il y en a 4. Oh là, qu'est-ce qu'ils font là? Ça rame un petit peu, j'ai l'impression. Oh, j'ai perdu mon arbalétrier. Bah, je crois que Sidon m'attaque bien. Il y a des chances, oui. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme construction? Je sais plus quoi faire comme construction, il y en a trop. Est-ce que je fais des unités ou est-ce que je construis? Si t'as des bâtiments intéressants, construis. Hein. Oh purée. Par contre, toi, tu feras gaffe, t'as un petit canon à côté de tes unités.
Moi j'ai un canon anti-char qui veut venir faire joujou là. Pour ma plus grande joie. Est-ce que je peux acheter une unité? Rien du tout, je peux juste acheter des éclaireurs. Ça m'arrange en rien. Ça, c'est bon. Une prairie. Est-ce que j'ai besoin d'une ferme? Ah oui, d'accord, quand même, il y a un petit peu du monde. Un tout petit peu. C'est un détail, ça. Bah, c'est Mais... que Sidon était bien armé, quoi. Ouais, sinon, bah, c'est cité militariste, alors ça aide pas trop. J'avais dit que j'ai installé où ma quatrième ville? Bah, au C'était sud d'Hanoï, il me semble. au sud d'Hanoï ou ouais ou dans le désert, mais sud Ouais. d'Hanoï semble bien mieux en fait. J'ai un général qui est sorti de terre. Et je suis embêté là. Enfin, faut que j'arrive à faire tomber Gao, mais il faut que j'arrive à m'en rapprocher, ça c'est mort quoi. Ah, le canon anti-char, ouais. Bah c'est pas tellement ça, c'est que vu que mes unités avancent une case par une case, j'ai Gao et l'arbalétrier qui me flingue l'unité avant qu'elle puisse approcher quoi. C'est tout à fait logique, mais... Faudrait que tu mettes une unité dans la ville de Teotihuacanas pour faire correctement ta défense. Ouais, c'est ce que j'allais faire, mais... Parce que là, avec 25 de défense, la ville elle va pas tenir. Enfin, Ouais, y a un elle petit va peu de... tenir, mais pas très très longtemps, surtout avec un canon à côté. Oh, j'ai perdu aucune D'accord, unité. j'ai perdu deux canons et un général. Ça va aller, le monsieur là-bas. Mais comment elle a fait pour descendre avec ses cosaques aussi rapidement? Qui, Catherine? Ouais. Ils étaient... Ils sont passés par, ils devaient être dans la, ils sont passés par les plaines, tout simplement. Ils sont pas embêtés. Ou Ah, passés mais par la ville, chien. tu vois. Ils devaient être derrière la ville, et puis voilà. Coucou. Donc, bah, ça va reculer mes canons. J'ai pas le choix. Et puis, je peux même pas les reculer. Ça m'énerve. Chaque fois qu'elle est sur le point de tomber, Ah cette non. ville, je la repère derrière, c'est super agréable. Oh non, mais ça c'est dégueulasse par contre. Je viens de me faire péter mes... Maintenant, là, je suis deg, par contre. D'accord, il y a un canon anti-char russe au sud de Tokyo. Bon, bah, c'est pas pour maintenant, hein, la prochaine ville. J'ai d'autres problèmes. Bienvenue dans le clan. Ça, c'est qui ça? J'ai une unité, j'ai une caravelle à côté de chez moi, je sais pas à qui elle est. Où ça? À côté d'Yaroslav, j'ai une vie, une... Iroquois, Ah, c'est à toi. c'est Rio de Ah non, Janeiro. il... D'accord. Ah, je peux même pas reculer mon canon, il va... De toute façon, il est mort à... Oh, mais eux, ils ont des bateaux, c'est des bateaux d'aujourd'hui, et nous, on a encore des pauvres bateaux en bois. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à faire la dynamite et qu'on puisse. Parce que la dynamite, en fait, si on y arrive, ça fait sauter le bonus d'avantage de la cité impériale, de la Grande Muraille. Et donc on n'aura plus, on se déplacera plus une case par une case, on se déplacera bien plus. Ce qui est super avantageux, bien sûr. Ah, mais dès qu'on va faire la dynamite, on aura les mêmes bateaux qu'elle. Ah, ça va alors. Mais bon, non, ça sera quand même dur de ça. Non, mais par contre, eux, ils sont en train de détruire toutes mes plantations de coton, ça va pas le faire là. Je suis en train de me faire attaquer par Hanoï. Eh, vous étiez des potes, les mecs, par Almaty. N'importe qui. Vous étiez des potes au début, quoi, je vous ai aidé. Oh! Non! Canon anti-char russe qui Ouais. sont chez moi.
Oui, Ils oui, sont où? Ils oui. sont où ça? En dessous de Tokyo. Ouais, mais le temps J'ai qu'ils peur. arrivent, de toute façon, quand ils sont sur l'eau, ils vont se faire raser la Ah, figure. j'ai du mécontentement. Moi, faut que je refasse une ville, faut que je prenne des villes, quoi. Mais ce qui m'énerve, c'est Gao qui tombe pas, alors qu'elle devrait tomber depuis je sais pas combien de temps. Et non, mais là, c'est moyen cool ce qu'ils sont en train de faire, les mecs. Bah, de toute façon, faut vous que vous arriviez à faire tomber Moctezuma, quoi. C'est surtout ça. Une fois qu'il est tombé, après, on pourra se concentrer, quitte à Moi, détruire quelques cités-États si besoin est. je dis, mais si, j'en chie, parce que là, je suis attaqué par Almaty. Bon, Almaty, je vais régler ça vite fait, entre ma ville et mes fusillés qui arrivent. Mais il va falloir quand même que je laisse au moins un perso de défense. T'es en train de bouger tes unités, Et Mehdi? après, Ah non. là, je produis qu'une unité, quoi. Parce que faut que je fasse des constructions, sinon j'avance pas. Aïe. Osaka crie famine. Je fais quoi? Crie famine. Ça dépend, tu l'as réglé en quoi? Tu l'as réglé en normal ou tu l'as réglé en... Ouais, ça, si... Favoriser la nourriture. Si vous voulez, si elle est en production, si elle est en production, tu la remets en normal, sinon, bah... Alors là, par contre, j'ai pleuré. C'est-à-dire que ma seule défense, elle vient de se faire poutrer. Par Alm. Non, pas par Almaty, par qui? Je sais pas, par. C'est quoi ça? Bah, dis-toi que je dois refaire toutes mes unités, j'ai perdu tout ce que j'avais, donc... Mais là, je boude, ça y est. Ndiaye, il est plus gentil maintenant. On est deux, parce qu'il faut que je refasse toutes mes unités. Là, j'ai les unités de Ragus qui se battent dans ma ville, donc c'est sympathique. Tour suivant. Il faut que je garde de l'argent, parce qu'il faut que je remette sur Bruxelles. Genre, il lui restait un point de vie au fusillé, je me suis fait tuer. Moi, j'avais mon unité était aussi abîmée, mais quand même. Ben moi je vais essayer de mettre masse arquebusier et infanterie dès que je pourrai au sud de Gao. Amener des canons et puis et faire un assaut de masse, mais là c'est compliqué. T'es pas, chaque fois qu'on est sur le point de la faire tomber, cette ville, chaque fois ça repart. Ils sont partis où? C'est. Ah d'accord, ils sont derrière moi. Mais là Et je les ai pas vus. Ouais, il va falloir que tu fasses gaffe, hein. De quoi donc? Bah non, c'est même pas que faut que je fasse gaffe, c'est que là, ils sont morts, elles sont mortes toutes mes unités, quoi. Non, 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 ça va. Ah non, j'avais Le oublié canon ça. anti-char, en fait, il est... C'est pas une unité corps à corps, mais presque. Il peut pas tirer très loin, en fait, comparé au canon ou autre. Il est nettement moins bon, c'est... Nettement Mais moins là, bon on que les est. canons, hein. Nettement en train de se faire écraser quand même. Ah bah Mehdi, oui, ah bah tu me oui. fournis plus de sucre. Alors, je sais plus Ouais, contre quoi tu va me falloir. fournissais, mais c'est pas grave, je suis encore Du à 9. coton. Ouais, mais moi. Ah, mais tu veux ton coton? D'accord, pas de soucis. Ah, je vais pouvoir choper ces Cossacks là qui sont en train d'envoyer, je vais les attraper au passage. Félicitations pour Big Ben, et tu voulais du coton. Ouais. Ah bah non. Mais non, mais non. Compte du sucre, c'est ça? Comme tu veux, je suis gros pierre précieux. Non, bah tu peux me Attends deux donner un petit peu secondes. d'or par contre? Oui, je peux. Voilà, comme ça, parce que toi après il te reste un de pierre précieuse et un de sucre, donc je vais pas t'enlever. Ah bah oui, tant mieux. Non, mais non, mais là, je vais me faire poutrader. Là, je n'existe plus, Méthylène. Mais Je ne suis plus si, mais avec si, toi. défaitiste. Allez, courage. Faut pas être défaitiste. Ouais, non, non, mais là, c'est que je peux plus t'aider, Métis, quoi. Je me fais attaquer de tous les côtés. Yao avec des canons anti-char. Avec Vienne qui me facilite pas les choses, là. Pourquoi tu m'as fait une contre-offre? Bah, parce que 30 d'or, même. Pourquoi je peux pas J'achète pas mes soumettre? ressources à 30. J'achète. Ouais, mais je peux pas mettre accepté, moi. Je peux juste me retirer. Ah bah ah oui d'accord, il n'y a que moi. D'accord, voilà, encore accepté. D'accord, alors ça.
Ah d'accord, c'est Singapour qui me poutre depuis tout à l'heure. Eh ben, on va faire des bateaux, hein? Tu veux jouer? On va jouer! Je dois faire des canons. Là, c'est bon, je passais au fusil, moi, donc j'ai déjà été un peu plus sérieux au niveau des attaques. Il est pénible, lui, avec ses unités. J'ai Ragus qui a un canon qui se balade dans mes lignes, là, c'est normal. Ah, t'auras l'épopée nationale, c'est pas mal ça aussi. Ouais, je vais faire toutes les merveilles là que je peux. Ouais, moi je suis à 65 d'or par tour là. Ce qui est plutôt pas mal, vu que j'ai perdu tous mes canons, j'ai regagné masse d'or. Bah ouais, moi c'est à peu près pareil, j'ai perdu plusieurs unités, là je suis remonté à 122. Bah là, vous allez pouvoir. De toute façon, Sidon, vu qu'elle a perdu pas mal d'unités, elle te fera plus grand chose, je pense. Donc vous allez pouvoir vous tourner vers Tenochtitlan. Moi Bah toi pour l'instant tu défends ton front, donc ça il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, attendez, il faut que je trouve où est l'unité de Catherine, où elle a mis ses cosaques. D'accord, elle les a ramenés. tu préfères de la de l'or encore contre des contre tes épices? Ouais, parce que moi, en fait, il faut que je puisse avoir suffisamment d'or pour acheter des unités en cas de besoin, en fait. Oh là là, mais il y a des militaires chez moi. Oh, cheveux! Ah! Mon Mais Dieu! non, arrête. Trop de Ah, la gens! porte de Brandebourg, mince. Reculez! Je comptais la faire après. Bah, Toi, du coup. t'es mort. Non! Genre! Toi, en défense. Toi, en défense. Tu me laisses jouer, s'il te plaît? Mais! Mmh. Voilà, Ragus n'a plus d'unité chez moi, donc ça c'est bon. Pourquoi ça leur fait rien ce que je fais? Oh là là, oh là là. Oh! Je vais lancer l'université publique, moi, pour avoir plus de sciences. Parce qu'il arrive un moment où il faut se dépêcher. J'ai fait peur à Catherine, elle a pas envoyé ses cosaques, hein, donc ça vous fait un peu de paix pendant ce temps-là. Qu'est-ce que j'ai ici? Mais Bruxelles, tu lui donnes des unités ou c'est que... Non, non, je lui donne de l'or parce que j'ai pas le choix en fait. Cléa, Oui? faut que tu me refasses un partage de je sais plus ce que t'avais, ce que tu me donnais, perles ou je sais plus trop quoi. Mais faut que tu m'en redonnes parce que là enfin mon pays est malheureux parce que je me suis fait péter un de mes seuls trucs qui me donnait du bonheur. Fait casser quoi? Mais ah, coton. Ah oui. Non, t'as encore du coton. Ouais, Mais t'en mais ai mon fait. deuxième, il est cassé. Non, t'en as deux autres. T'en as un en Bah dessous de oui. Kyoto et un en dessous de. Ouais, bah mon troisième, il est pété. Mais ça changera rien. Ouais, c'est une seule. Parce Enfin, qu'un ouais. seul te donne 4 et après, à la rigueur, quand t'as. Ah ouais. Tu peux avoir une ressource supplémentaire. Quand t'as vraiment trop et il faut avoir une doctrine spécifique. C'est pour chaque ressource de luxe en plus, tu as plus un de bonheur, mais si tu l'as pas, ça te changera rien, Du ça. coup, j'ai de coton. Et toi, tu me donnais quoi? Parce que ça me... c'est dès que j'ai eu un accord qui s'est cassé avec toi là, ce tour, j'ai eu trop de malheur. Ah, j'ai pas regardé, c'était peut-être l'épice. Mais je l'ai filé à Métis. Bah, moi, c'était l'épice. Et t'étais à deux d'épices. Et bah, on va continuer à pleurer en priant, hein? Mais est-ce que t'as combien de malheurs là? 3, mais bon, ça arrange pas les choses, ça. Je me fais assaillir de tous les côtés. Bah attends, Là, on vraiment. va de toute façon là à la rigueur déjà tu vas pouvoir tuer l'unité de Catherine, donc déjà ça va être bon, et vous allez commencer à vous retourner vers Tenochtitlan. Si tu le récupères, il devrait y avoir des ressources qui pourraient t'intéresser, à la rigueur. Ça pourrait être pas mal, parce que là, il y a des pierres précieuses à récupérer, il y a des trucs à Ouais, récupérer. mais je capture avec quoi? Tu as des unités, t'en fais pas, c'est pas la fin du monde, c'est le temps de les faire aussi. What? Oh, mais non!
Qu'est-ce qu'il y a? La blague. Bah, il s'est soigné. Ouais. Mais de toute façon, c'est le temps de faire des unités meilleures. Faut pas désespérer non plus. C'est pas en désespérant que tu gagnes des batailles. Hein. Non, mais... Attends, alors. Toi, tu m'ennuies avec ton unité pourrie là. Voilà. Déjà, j'ai mes fusillés qui sont contre Gao. C'est une bonne nouvelle. Je vais refaire des fusillés. J'attends 2 tours et j'achète une artillerie et là ça va commencer à bombarder la cité adverse. Parce que déjà quand je serai à 3 tours, ça va être un peu plus facile. Je vais voir si je pourrais bien me déplacer de 2 cases à chaque fois sur les territoires de Gao. Pour être sûr D'accord. de pouvoir contrer là, parce que le fait d'avancer une case par une case, ça me pénalise énormément. Et ça vous pénalise aussi si vous voulez avancer sur Tenochtitlan en passant par les plaines. Ce qui serait pas une bonne nouvelle, quoi. Ouais, ce serait dommage. Parce que, bah, on... De quoi claque ce que... Voilà, ça c'est bon, je vais pouvoir faire revenir. Mais il veut pas mourir son truc, hein, vraiment. Mais parce qu'il est plus puissant que toi, et c'est tout à fait logique en fait. Puisque c'est une unité, toi t'as les arbalétriers, c'est une unité du Moyen Âge, donc et là t'es contre une truc des ères modernes, donc forcément il y a une différence de technologie qui est énorme. C'est tout à fait logique. Si vous voyez des unités qui sont en train de traverser la mer du côté de Bruxelles, hein, n'hésitez pas à me le dire que je déplace ma caravelle et je les intercepte. Hein. D'ailleurs, je vois qu'il reste qu'un tour à la dynamite. Si quelqu'un veut faire autre chose, c'est peut-être le moment. Pour Bah, éviter je vais le qu'on. faire parce que j'ai plus de recherche que dire. Bah, je Que pars ce sur soit en. l'acoustique parce que Acoustique, sur l'acoustique, je acoustique. regarde que ça Ouais, soit quoi. acoustique, parce qu'on va avoir besoin du charbon. Et surtout que ça génère de la production. Tu as science par les académies plus 2, production par les scieries plus 1. Et l'école publique, on en a besoin. Moi, j'ai un bonheur plus 1 et une science plus 3 dessus. Donc ça pourrait être utile, en effet. Et toi, Diel, si tu veux aller aussi sur archéologie, moi, je pourrais tenir la dynamite, y a pas de problème. Je fais 134 de science par tour et il en manque 100, un peu moins de 100. 134, d'accord, moi je suis 53. Ouais, je suis à 130. Et là, dans 4 tours, j'ai un bonus de plus 30 et 25% en plus pour une Ah, je ville, suis donc. vraiment une brêle à ce jeu. On veut pas me le retirer. Après, c'est question d'habitude, de jouer et tout. Je sais pas, mais Métis, il faudra pas trop que tu touches les. Tu vois, t'as des bananes à côté de Teotihuacanas qui sont dans des jungles. Oui. N'essaye pas de transformer les cases en plantations de bananes. Ouais, Parce d'accord. que sinon tu vas perdre le bonus de jungle. Ok. Et donc le bonus de recherche. Voilà. Ah mais... Bah pourtant elles sont aménagées les... Ah non. Non, non, elles sont pas aménagées, sinon il aurait mis Ah plantation. oui. Ça c'est des bananes, ça c'est les jambes normales. Tu as des militaires qui approchent de... Ouais, j'ai vu. Ouais. Oui, il n'y a qu'un petit fusillé à la rigueur, Mais ça pourrait pourtant, être. ça marque pas que c'est en guerre, ça marque que c'est en paix impossible. Ouais, et paix impossible parce que t'es en guerre en fait, tout simplement. D'accord. Gail, t'as fini? Ouais, ce que j'aime bien, c'est que ouais, y a que 3 cités-états qui sont. Vous allez perdre Hanoï et Katmandou, est-ce que je vois? Oh, Katmandou, encore, il y a du temps. What? Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez découvert dynamite, donc ça c'est une bonne nouvelle. En défense, je vais envoyer. Alors, je vais voir si je peux déplacer mes fusillés bientôt. Ouais. Et ils ont aussi. Je vois les artilleries, ils ont débloqué les artilleries. Je viens vous aider sur l'acoustique, comme ça sera terminé dans 3 tours. Maintenant, mon général illustre, s'il est dans une Jeep, badass.
Normal. Alors, de ce côté-là, c'est bon. Je vais acheter une artillerie si je peux. Je peux, c'est acheté. Et les ouvriers, ils sont trop swag. Et ouais, il se modifie avec le temps. Alors. Voilà, ça c'est bon. Sont trop sexes. Je regarde les cases aménagées parce que c'est vraiment important ce genre de truc. Ça va, t'as réussi à bien aménager tes cases quand même, Diel. Dès que tu pourras, essaye de mettre, de réparer ton coton là qui est un Ah, peu c'est ce que je vais carré. faire là. Je l'ai rajé, avancé. Enfin, j'avance petit à petit pour voir s'il est là ou pas. L'autre, parce qu'il va encore me voler. Métis, si tu peux aussi, là pour l'instant je pense que t'as fait ta route là jusqu'à Teotihuacanas. Essaye de faire une route qui va en direction de Le Tokyo. ténue. Ah, ouais. Comme ça Oui. aidera Diel pour venir plus vite sur tes unités. Hop. C'est bien, il y a Bucarest qui t'attaque Limite. pas, elle est trop gênée par les forêts et tout. Ouais, j'arrive dans 2 petites secondes. Bucarest. C'est celle qui est au nord de Tlaxcala. Ah oui. Bah celui-là, elle a envoyé un pauvre soldat, mais. Ouais, enfin, il bougera pas trop, quoi. Tant qu'il approche, il va se faire fusiller, celui-là. Ah ouais, ça y est, maintenant il y a trop de trucs construits. À chaque fois que je vais sur ton île, enfin, sur ton morceau d'île, je suis obligé de recharger tout. Mais là, en même temps, j'ai 4. Je vais avoir 4 d'infanterie. Ça va être déjà un peu plus correct. Et dès que je vais avoir de l'artillerie, Oh! Gao, je vais le flinguer. Ah ouais, et nos bateaux maintenant, c'est plus des pauvres bateaux. Non, non, c'est des bateaux à vapeur en fait. Tout moche. Ça fait du bien quand tu commences à ce niveau-là. Et là, je vois Catherine, pardon, qui apporte ses cosaques et ses canons du côté de. D'ailleurs, tiens, ça va me faire quelques points supplémentaires. Tour suivant. À toi de passer ton tour, Diel. Tant pour moi. Tokyo qui vient de grandir. Ouais. Chaque chose en son temps. Oh, je fais quoi, artillerie? Est-ce que je construis une artillerie? Bah, c'est plutôt utile, ça te fait un tir à 3 de distance, donc je dirais n'hésite pas. C'est vraiment pas négligeable comme unité. Le canon, je vais l'éliminer, pas question de laisser ça traîner. Oh, il y a son gars Pourquoi qui nous là? essaye de me C'est sûr tourner pas. avec me contourner avec son canon anti-char, mais ça veut dire qu'il est pas à côté de sa capitale, donc ça m'arrange. Oh, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai son canon anti-char qui est juste à côté de. Ouais, donc désolé, j'ai un petit appel. Non, non, pas de soucis. Alors. Où est-ce que je suis? Merde, c'est mes ouvriers. Je suis totalement loupé. J'ai envoyé mes ouvriers combattre. Bah moi j'ai déplacé mon artillerie juste à côté. Bah, j'aurais dû le déplacer que d'une case pour commencer parce que j'ai pas vu le canon anti-char de son gars. Tu vois. Mais les fusillés, ça attaque au corps à corps. Bah oui, ça attaque au Oui, corps à c'est corps. pas des armes, c'est pas des unités Après de pour distance. les si tu veux les unités à distance, t'as le anti-char, t'as les mitrailleuses je crois. Mais elles attaquent que à 1, à 2 de distance, tu vois, c'est. Mais à 1 distance, ils n'ont pas besoin de venir au corps à corps pour de foncer sur la case. Donc bon, c'est un peu. C'est puissant, mais c'est pas non plus. Ouais, donc je vais me faire poutrer par ces soldats en fait. Voilà, j'ai acheté une artillerie pour la perdre. Ah, Oula, alors métier. Bucarest n'est plus allié avec son gars. Donc demandez-lui la paix. Bien, je vais le faire. Hop, hop, on a dit Bucarest, Non hein. mais j'ai des sous si tu veux. Non, non, Ouais mais. juste lui demander la paix en fait déjà. Faire Ah, la paix. Bucarest? Ah oui. Voilà, c'est fait. Fais Voilà. la paix normalement avec eux. Donc déjà, moi, elle m'attaque plus. Faites pareil. Au moins, ça fait Ouais, une unité de j'ai moins sur le fait. dos.
Chacun de la Des steak. perles contre du sucre. Bucarest. J'ai perdu une Faut que je fasse unité. quoi? Mais je peux plus. Je peux plus te demander de perles, Diane. Faut que je fasse quoi à Bucarest? Bah, tu De vas sur demander la la ville paix. de Bucarest et tu marques faire la paix. D'accord, c'était toi qui me donnais. Je Oui. peux pas faire la paix. Bah, il y a marqué que t'es en guerre avec. Tu peux mettre offrir Ça présent fait d'or. statue en colère, offrir un présent d'or, Donc c'est offrir bon, une c'est lettre. que j'ai demandé la paix, donc ça a demandé pour tout le monde en fait. Tout simplement. D'accord. Alors c'était toi qui me fournissais des perles, mais du Bah coup tu dois oui, les fournir à quelqu'un mais d'autre. en gros tu peux plus me rien Bon, me donner à j'ai part les de Aztèques l'or. qui m'ont envoyé leur caravelle et qui m'ont buté des fusillés, c'est génial. Ah ouais, putain, mais moi je suis trop dans la merde, je suis à 7 de. Oui, bon, on va régler ça, 2 secondes, il n'y a pas de souci.